Chers étudiants de l'Alliance française, chers amis, en ce jour du 14 juillet, je voulais vous adresser un petit message de fraternité. Je sais que vous travaillez dur et que l'année a été un petit peu difficile, mais je sais que vous avez aussi obtenu de très bons résultats dans un mode un peu différent d'apprentissage. Et c'est très bien, et je suis très heureux que l'Alliance française et le réseau des Alliances françaises, ici à Colombo, à Kandy, à Jaffna, à Matara, à Gaulle, et bien sûr aussi à Malé, aux Maldives, aient pu travailler virtuellement, mais aient pu continuer à travailler, et à travailler pour que vous puissiez poursuivre votre apprentissage du français. C'est important pour nous, c'est important pour vous, et c'est important aussi de le faire aujourd'hui, 14 juillet, qui est le jour de la fête nationale française, et qui pour nous est un moment de partage de nos valeurs, mais aussi de notre langue et de notre culture. Et l'Alliance française, les alliances françaises dans les différentes villes de Sri Lanka et aussi aux Maldives, est représentative de cette volonté, bien sûr, d'apprendre la langue, ce que vous faites très bien, mais aussi de connaître mieux la culture et de participer à un mouvement qui est un mouvement important. Il y a des alliances françaises partout dans le monde. Vous êtes partie de ces alliances françaises. Je vous en félicite, je vous en remercie et à très bientôt pour vous rencontrer et pour vous remettre vos diplômes. Merci.